Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors je continue mon calendrier de l'avant. Hier on a vu que j'avais reçu la carrosserie, le fameux Rudolf 2.0 pour mettre sur le châssis. Et pour moi je peux pas la fixer, il manque des éléments, donc à première vue il va falloir d'abord compléter cet élément là, la carrosserie, avant de la fixer au reste, c'est à dire au châssis. Et donc on va voir si on a de quoi faire dans la case numéro 19. Case 19. Qui elle aussi est une grande case. Petit sachet de vis. Et nous avons ce bloc là, c'est donc les vitres du tout terrain. Ça devrait pas être trop compliqué de comprendre comment ça s'installe. On glisse à l'intérieur comme ceci, et à première vue je dois avoir, je pense, 3 points de fixation. Il y en a un peu plus apparemment. Je vais essayer de trouver où sont les points de fixation. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'ai 5 vis? Ouais. Donc, ah bah, on la claque dedans. Voilà, on met bien en place, et donc nous avons 5 points de fixation, 2 à l'avant, 2 au milieu et 1 à l'arrière. Je vais pas serrer trop fort non plus, hein, ça sert à rien. Toujours même principe, hein, d'essayer d'équilibrer autant que possible le serrage. Hein. Voilà, encore deux vis. C'est dommage quand même, hein, ils auraient pu nous faire des vitres transparentes avec un intérieur de Hummer visible. Avec éventuellement, pourquoi pas, le Père Noël au volant, ça aurait été sympa. Ça aurait été bien dans le thème, je trouve. Là, je trouve qu'ils ont à nouveau choisi après la facilité, hein, parce que... voilà, les vitres noires, ça... ça cache tout le creux. Et je veux dire, voilà, un intérieur à mettre dedans, avec même le, voilà, juste le petit Père Noël au volant, ça aurait été sympa. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein.
Bon, eh bien, on avance tout doucement, hein. Puis je verrai donc demain la suite. Allez, ciao!